De l'accord qui est en train de passer derrière dans l'accompagnement. Donc, pour bien pouvoir intégrer cette leçon, il faut d'abord être à l'aise avec l'accompagnement blues, comment est-ce que ça marche, quels sont les accords qui passent derrière, les fameux accords 1, 4, 5, qu'est-ce qu'une grille blues, etc. Donc ça, j'en ai parlé dans des précédentes leçons sur l'accompagnement, comme l'accompagnement blues en accord, ou blues débutant shuffle en la, j'explique un peu tout ça. Il faut être évidemment à l'aise avec au moins une position de pentatonique majeure et au moins une position de pentatonique mineure. Être vraiment capable de switcher de l'une à l'autre sans en être encore à chercher où mettre les doigts, quel plan faire, etc. Il faut être capable de jouer sur chacune de ces deux positions, enfin de ces deux gammes, sur autant de positions que vous voulez. Le concept, il est assez simple. En gros, il va falloir jouer sur la pentatonique majeure quand il y a l'accord 1 qui passe derrière dans l'accompagnement, sur la pentatonique mineure quand l'accompagnement joue l'accord 4, et sur la pentatonique soit mineure, soit majeure, comme on veut, quand il y a l'accord 5 qui passe dans l'accompagnement. Donc, dans l'idée, c'est vraiment simple. Ce qu'il faut après, comme je disais, c'est bien maîtriser ces deux gammes pour pouvoir passer facilement de l'une à l'autre sans se cafouiller les doigts. Donc je vais faire un petit zoom et montrer 2-3 exemples de sonorités. Après, évidemment, c'est à vous de vraiment vous entraîner et d'écouter les différentes sonorités que permettent d'avoir cette technique-là, enfin ce concept-là. L'idée, c'est vraiment de faire ressortir cet accompagnement derrière pour créer vraiment une osmose entre guillemets entre l'improvisation solo ou la composition solo et l'accompagnement qui est derrière. On commence à se rapprocher un peu d'une idée de jeu en arpège, en gros. Donc c'est vraiment intéressant, ça va apporter beaucoup de richesse dans vos solos, dans vos chorus blues. Comme bien souvent là, une des notes sur lesquelles il va être très intéressant d'insister sur ces changements de gamme qui correspondent aux changements d'accord dans l'accompagnement, ça va être les tierces. Donc ça va être de passer de la tierce majeure à la tierce mineure, et inversement de la tierce mineure à la tierce majeure quand on passe de la penta majeure à la penta mineure, et inversement de la penta mineure à la penta majeure. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de repérer où sont ces changements, ces transitions plutôt de tierces. Donc là, ce que je conseille vraiment quand on commence à faire ce genre de travail de mix de gamme, c'est de rester à un endroit du manche. Donc là, en l'occurrence, on va mixer les positions 1 des pentas majeures et mineures. Donc position 1 de la penta mineure. On va même rajouter la blue note, on est en blues. Je perds pas trop de temps là-dessus, comme je disais dans l'intro de la vidéo, avant de suivre cette leçon et de faire ce principe de mixer les gammes, il faut évidemment être à l'aise avec les deux gammes qu'on mixe. Donc je fais juste un rappel très rapide. Et la penta majeure en position 1, qui va se jouer au même endroit du manche. Là, on prend, hein, comme dans un peu toutes les vidéos, un blues en La. Donc notre accord 1 est un La 7. L'accord 4 est un Ré 9, là en l'occurrence, ça pourrait être un Ré 7 ou un Ré 13, peu importe. Et l'accord 5 va être un Mi 9. Alors, on parlait de mixer les tierces. Si on cherche, là dans les aigus par exemple, la tierce de la penta majeure, elle est ici, fondamentale, seconde, tierce majeure.
la pentamineure mineure quand on va passer la tierce mineure quand on va passer à la pentamineure mineure, elle va être juste ici. On a vu sur les sons sur la penta majeure que souvent on vient jouer cette tierce de la penta majeure avec un bend qui part de la seconde. Donc là, un truc qui marche bien, c'est de faire le bend sur la seconde et en revenant ou pas sur la fondamentale, d'enchaîner ensuite avec un bend de penta mineure qui part de la tierce et qui va chercher la quarte. Alors là, on passe pas vraiment de la tierce mineure à la tierce majeure, mais c'est un truc qui marche quand même vachement bien. Moi, je le place quasiment tout le temps. Mais on pourrait simplement faire un bon changement qui pique un peu. Quand il n'y a pas d'accompagnement derrière, ça fait un peu bizarre. Donc là, je passe de la seconde, qui est dans la position de penta majeure, vers la tierce mineure, donc en position de penta mineure. Et je pourrais aussi donc passer de la tierce majeure à la tierce mineure. Donc ici, il y a vraiment pas mal de trucs qui se passent. On pourrait aussi passer de la seconde ou de la tierce majeure qu'on prend à partir de la seconde à la tierce mineure avec un bend. Donc là, j'ai fait avec un bend tierce majeure et avec un bend tierce mineure. Donc rien que ici, il y a beaucoup beaucoup de choses à travailler, plein de riffs à trouver. Donc vous en privez pas. Ensuite, il y a en gros le même spot ici qui va être intéressant aussi et on va bien voir l'intérêt de ces transitions penta majeure, penta mineure sur les accords en regardant simplement les notes qu'on joue, les endroits où on met les doigts sur les accords et les notes qu'on joue sur nos gammes. Par exemple, sur le La7, ici on a le majeur en plein sur la tierce majeure, ça tombe bien. Et on voit que quand on passe ici à l'accord 4, on passe de la tierce majeure ici à la tierce mineure. Donc là, même si on n'y connaissait absolument rien en histoire de tierce et d'harmonie musicale, il suffit de regarder où on met les doigts et d'en déduire ce qu'on veut jouer. Donc, quand on joue notre tierce majeure, là derrière l'accompagnement, on va passer en mineur. Je vais non seulement passer en penta mineur, mais je vais venir vraiment insister sur ce changement-là, même si j'ai fait d'autres notes entre ma tierce majeure et ma tierce mineure. Donc j'étais en majeur. Paf, je finis mon plan en écrasant bien cette tierce mineure. On pourrait aussi simplement faire ça, mais on va essayer toujours de phraser un petit peu. Et hop, je reviens sur ma tierce majeure avec un petit plan qui va bien quand derrière l'accompagnement repasse sur l'accord 1, le La7. Toujours dans cette histoire de cette zone-là, là, un truc qui est intéressant à remarquer, c'est que, donc comme je disais, sur l'accord 5, on peut jouer aussi bien majeur que mineur. Si on choisit de jouer mineur, là aussi on peut regarder un petit peu où on place les doigts sur l'accord et faire en sorte, même en jouant penta mineur sur l'accord 5 et ensuite sur l'accord 4, de faire ressortir un petit peu ces deux accords. Donc en gros, quand on est sur l'accord 5, par exemple, on pourrait finir notre plan de penta mineur sur cette note-là, qui est, pour info, la septième mineure de l'accord. Et quand on passe sur l'accord 4, là, au lieu de finir un plan ici, on peut faire un plan qui ressemble ou pas, et le finir ici. Là, ça va vraiment faire ressortir les deux accords qui sont derrière, pourtant on reste dans la même gamme, donc c'est vraiment intéressant. Et
tierce mineure. Donc même à l'intérieur d'une même gamme, ça vaut vraiment le coup toujours de se demander comment on peut faire ressortir au mieux l'accord qui passe derrière. Voilà, c'est tout pour l'instant sur ce concept de mix majeur-mineur en blues. Il y aura d'autres leçons là-dessus, il y aura d'autres leçons sur le mix pentamajeur-pentamineur dans d'autres styles que le blues, et il y aura d'autres leçons blues sur le mix majeur-mineur, mais adapté à d'autres gammes, à d'autres modes. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal, c'est vraiment la base de cette histoire. Donc prenez vraiment le temps de travailler vos transitions sur une même position, ensuite sur toutes les positions, et ensuite, bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir ne même plus penser position, mais penser simplement transition majeur-mineur n'importe où sur le manche pendant qu'on joue. En se basant toujours, j'insiste là-dessus, sur ce qui se passe dans l'accompagnement. C'est ça le vrai intérêt du truc, c'est de faire ressortir pendant le solo ce qui se passe dans l'accompagnement. Je dis toujours, un bon soliste, c'est un soliste qui est bien attentif à ce qui se passe derrière dans l'accompagnement. C'est pas le tout d'enchaîner des millions de notes. Ce qu'il faut, c'est que ces notes, elles arrivent au bon moment. Il faut que ce soit cohérent avec le reste de la musique. On joue en groupe, on joue pas tout seul, donc il faut s'écouter les uns les autres. Si cette leçon vous a plu, si elle vous a été utile, je vous invite à cliquer sur j'aime sur la page YouTube de la leçon ou à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la page coursdegrade.com, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et puis moi, ça me fait un petit peu monter dans YouTube, donc c'est toujours bon à prendre. Comme ça, il y a plus de gens qui peuvent tomber sur mes vidéos. Vous pouvez aussi aller sur le site coursdegrade.com, sur lequel vous pouvez visionner les vidéos, sur lequel aussi toutes les leçons sont mises en ordre, voilà, en ordre de difficulté, j'allais dire, mais surtout en ordre chronologique d'apprentissage, en fonction de chaque rubrique, et sur lequel vous allez trouver les diagrammes de ces gammes, les gammes dont on a parlé dans cette leçon, et d'autres gammes, et d'autres accords, etc. Et sur lequel vous allez trouver aussi des backing tracks, entre autres blues, sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner à improviser et à faire ces transitions de gamme sur une grille blues. Vous pouvez aussi aller vous abonner, aller cliquer sur j'aime sur la page Facebook de coursdegrade.com. Pareil, pour être tenu un petit peu au courant de toutes les nouveautés du site ou de toutes les nouvelles vidéos qui sont mises en ligne et sur lequel aussi on échange un petit peu avec les différentes personnes qui regardent mes vidéos et sur lequel je mets aussi des articles, des liens vers des articles ou des vidéos d'autres profs de gratte ou de guitaristes qui sont intéressants à écouter, etc., etc. Je vous dis à bientôt, bon blues et grattez bien!